augmentation de demande qui est, à mon avis, l'expression d'un changement culturel. Le fait que les émotions de nos jours sont au centre de l'intérêt de tout le monde, des industries, de la politique. Donc, c'est pas du tout l'intérêt central des psys. Les émotions, maintenant, c'est ce que les gens recherchent. Donc là, on a un changement culturel énorme. Les émotions, je le vois aussi dans mon travail. Je veux dire, lorsqu'on me raconte ce qui se passait dans les familles pendant la Deuxième Guerre mondiale ou pendant les années 50, l'intérêt pour l'émotion était inexistant. On ne savait pas ce que c'était et ça n'intéressait personne. Donc on a eu une longue période où on a développé les aspects relationnels, toute l'approche systémique. Ensuite, on a été intéressé par les narrations, comment on se raconte. Et maintenant, on a, avec l'arrivée des neurosciences, cet intérêt sur quel type de mémoire, avec quel type de mémoire est-ce qu'on est en train de travailler. Donc il y a une évolution. Moi, je suis intéressée par les nouvelles idées. Je pense que la psychiatrie demeure une énigme. On est extrêmement... On a des habiletés cliniques, c'est-à-dire qu'on... Un know-how. On comprend pratiquement rien. On comprend rien. Sur le plan scientifique, non. Même les diagnostics ne sont pas... Ils changent continuellement. Pourquoi ? Parce qu'on n'y a pas la logique scientifique d'une étiologie. C'est-à-dire que j'ai un virus qui me donne des symptômes et ensuite j'ai un diagnostic, c'est très clair. Jusqu'à maintenant, le schizocoque, on n'a pas découvert. On ne sait pas. Le schizocoque. C'est un total mystère. Donc on a maintenant 200, 250 tant de pratiques psychiatriques, peut-être qu'il y en avait aussi avant qui étaient plus ou moins violentes, en général c'était lié à la violence, mais c'est une pratique, c'est une... comment est-ce qu'on dit ça ? Prova errore, on expérimente et on voit où il y a des erreurs. C'est une façon. Mais c'est pas du tout... C'est pas du tout clair ce qu'on est en train de faire sur le plan scientifique.